C'est juste pour avoir une idée. La joueur, ça? Juste pour avoir une petite idée de ce que ça va donner. Il va falloir qu'on tire un peu sur les tissus. Bon, ça va pas être simple. Donc on va utiliser la brushing technique de notre ami Joseph Choukroun. Et on va venir rompre les fibres périostre. Oh, tu peux tenir là. C'est bien. En venant les brosser. Donc on fait un brossage. Voilà. Le plus dur étant celle-ci parce qu'on est sur la gencive kératinisée. Mais si déjà on peut gagner un peu de, voilà, de l'élasticité ici, c'est pas mal. La dernière fois j'avais voulu montrer comment on les utilisait ces instruments. Et j'avais pas pu utiliser le plus grand. On va voir si je peux le faire cette fois-ci, ça m'étonnerait. Bon, c'est pas le plus grand, il y en a encore un qui est un peu plus grand encore. Mais c'est pas la peine. Ouf, c'est pas facile à utiliser. Mais c'est bien de le faire, voilà. On tire un peu sur les tissus. C'est mieux que de rompre avec les bistouris. Et tout flinguer et couper la vascularisation du périostre. C'est juste pour noyer la tête des vis. Voilà, c'est bon. D'accord, donc là on est un petit peu en surcontour, on va corriger ça. Parce que c'est un peu trop... Puis au niveau de la racine aussi, c'est un petit peu trop près. Ma vie c'était pas bien mise dans le truc. Ok, on peut lâcher.